Donc Blue Star, c'est un jeu de Free Game Blow sorti en 1987 pour les Thomson TO8 et MO6. C'est un jeu qui utilise le mode 160 sur 200 points, 16 couleurs, bitmap. Comme vous voyez, il y a des très belles images en fait. C'est un shoot 'em up. Et donc comme tous les, comme beaucoup des jeux d'arcade de Free Game Blow, on a le tableau initial avec les scores. Et il nous propose de jouer 1 au clavier, 2 au clavier rapide, 3 au joystick. On va choisir le 3. Donc on a deux étapes à chaque niveau en fait. La première étape consiste à dégommer tous les rectangles avec, qui sont, où il y a de très belles couleurs. Et comme on le voit sur la gauche, on a en haut le nombre de vies qu'on a et en bas le niveau d'énergie qui nous reste. On perd d'énergie à chaque fois qu'on se déplace et à chaque fois qu'on tire. Et comment on récupère d'énergie? Eh bien en fait c'est en dégommant les bidons qui tombent des fois. Enfin les bidons de fuel. On a des points sur les vaisseaux qu'on dégomme. Et plus on a de points. Ah, j'ai déjà perdu vie. Et en fait tous les 10 000 points. Tous les 10 000 points, on récupère une vie. Alors le vaisseau, on peut l'avancer, le reculer. On peut l'avancer, le reculer, aller à gauche ou à droite. Alors, il ne reste plus que 3 rectangles à dégommer. Vous voyez là, j'étais à une vie et comme j'ai plus de 10 000 points, j'ai récupéré une seconde vie. Et toutes les 6 vies, on a si on a 6 vies. Ah, la deuxième étape. La deuxième étape du jeu, en fait, ça consiste à éviter les météorites. Il y a jusqu'à 20 météorites à la fois sur l'écran. Ce jeu n'est pas évident, en fait. Enfin, cette étape-là n'est pas évidente, en fait. J'ai une gauche, là. Voilà. Faut essayer de trouver là où il y a le plus de trous. Il y a le plus d'espace où passer. Comme je disais, il y a jusqu'à 20 météorites à la fois. Faut être concentré du début à la fin. L'étape est assez longue là. Hein. Donc là, les météorites, elles sont jaunes. Donc on n'a pas de points là quand on est vite, mais par contre, si on réussit l'étape, on a 3000 points supplémentaire. Donc on aura le deuxième tableau là. Donc j'ai deux vies pour l'instant. Vous voyez là, il y a ah, je vais pas réussir à l'avoir. L'espèce de canette de Coca-Cola qui descendent là, comme les canettes de boisson. Là, en fait, ça rapporte de l'énergie ça quand on les dégomme. Là, il me reste plus 264 en énergie. Ah, les petites météorites, là, elles sont difficiles à voir. Hein. Et en fait, à chaque fois qu'on dégomme un missile, on perd un point d'énergie. Et on peut dégommer également les missiles envoyés par l'ennemi. Ouais, là j'ai eu 500 points. Ah, ça m'a rien donné. Donc je peux avancer, je peux reculer. Là j'ai 3 vies. Et quand je serai à 6 vies, en fait, je pourrai avoir le double missile. Pas facile à voir. Alors il y a des rectangles qui ont besoin de plus de missiles pour être dégommés que d'autres. Alors comme on le voit, c'est en mode 160 sur 200 points, 16 couleurs. Et de par le fait, en fait, quand ça se déplace latéralement, en fait, on a
quand tu les places latéralement, en fait, on a un double. Enfin, ça donne. Comme les pixels, ils sont doubles en taille, eh ben, ça donne une impression de saccadé, en fait, quand c'est des déplacements latéraux. Donc, tous les 10 000 points, on a une vie supplémentaire. Et quand on est à 6 vies, en fait, on a. Normalement, on a la double missile. Il y a beaucoup de missiles là, hein. Il y a beaucoup d'ennemis qui tombent. Alors le jeu, est, le gameplay il est pas mal. Le jeu est très jouable, c'est un jeu free game load, hein, donc ça privilégie le gameplay sinon je refasse le plein d'énergie là parce que j'étais à moins de 100. Je sais pas si ça va suffire ça. Bon, j'ai 4 vies. Regarde, à chaque fois que je me déplace, je perds de l'énergie. Donc là, on a la deuxième vague de comète à éviter. Oula. Vous voyez, en fait, ils se déplacent pas en ligne droite, ils font une sorte de zigzag. C'est un peu... c'est pas simple, en fait. Ils sont pas tous de la même taille, en plus. Et comme je disais, hop. Alors je vais compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Il y en a quasiment 20 à la fois à l'écran. C'est plutôt pas mal. Alors ça ralentit un petit peu quand il y a 20 sprites, plus nous. Et on a un très bon fond étoilé. Alors le fait qu'ils se déplacent en zigzag comme ça, ça peut être perturbant parce que... En fait, c'est aléatoire en plus la façon dont il se déplace. J'essaie de recentrer, non, je suis pas au centre. Bon, là, il y a un peu d'espace. Je suis à droite là, parce qu'il y a un peu plus d'espace. Voilà, plus 3000 points. Donc là, on va être le troisième tableau. Ah non, on n'est pas au troisième tableau. D'accord, après deux niveaux, en fait. Là, on est dans un vaisseau où on peut récupérer l'énergie. Donc là, je vais là. Ouais, je récupère l'énergie, là. Alors, faut éviter les vaisseaux. Donc on a le troisième tableau là, et on voit qu'il y a, alors ici, là on a deux lance-missiles en fait. Donc ah bah si j'ai le double missile. Vous voyez, quand on a un certain niveau d'énergie, on a deux missiles en fait. Et ça va plus vite pour détruire les tableaux. Alors attention là, quand il y a certains ennemis là, quand on les... Ah mince, dommage. j'ai perdu mon double missile. Donc je disais, il y a des ennemis où c'est qui s'éclatent et qui se transforment en débris cosmiques. Et donc ça fait une certaine largeur, il faut les éviter.
En fait, je crois que c'est quand on récupère plus de 700 énergie qu'on doit avoir. Ah zut! Ce tableau-là, il est assez difficile en fait. Bon. Il me reste plus que 4 vies, en incluant celle que j'ai actuellement. Je vais sans doute pas avoir assez d'énergie. Ouais, je vais sans doute pas en avoir assez. Ouais, je vais perdre une vie parce que l'énergie va tomber à zéro. Voilà, je vais perdre une vie. Parce que j'ai plus d'énergie. A chaque fois que l'énergie tombe à zéro, on perd une vie. Donc là c'est le troisième tableau, comme on le voit il est assez difficile parce qu'il y a les lasers qui tirent des trucs. Donc en fait c'est le niveau d'énergie qui fait qu'on a le double missile ou pas. Si on a plus de 600, on a plus de 700 au niveau d'énergie, je pense qu'on a le double missile. Vous voyez on a trois sprites différents pour les comètes. On a eu les jaunes, on a eu les trucs à... Ah zut. Bon, il me reste plus que 2 vies. Donc là, on est au quatrième tableau. Oula. Ça commence à être très lent là. Il y a tellement de sprites. Par celle de gauche là. Alors faut essayer d'économiser à la fois les déplacements et les missiles. Parce que comme je vous l'ai dit, les niveaux d'énergie dépendent des déplacements et des missiles. Zut. Ah là là, il me reste plus que 3 vies. Donc on a 4 tableaux en fait, et 2 niveaux par tableau. Je vais récupérer l'énergie, j'ai pas pu. Bon, j'ai récupéré une centaine d'énergie, ouais. Je sais pas si je vais y arriver. Ça va être juste. Je perds une vie là, forcément.
Eh ben voilà. J'ai le niveau d'énergie tombé à zéro, donc j'ai perdu une vie. C'est pas un métier facile, hein. Eh merde. Bon. Là, vous voyez, on a passé 4 niveaux et là on retourne au niveau 1. Comme on était tout à l'heure. On a 4 tableaux en tout en fait. Et donc tous les 10 000 points, on a une vie supplémentaire, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que je vais réussir à revoir les... Eh ben, non. Encore perdu une vie. Bon, laisse tomber. Ah, j'ai quand même le double missile. Alors, je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai double missile? Bon, bah, je sais pas. Je sais pas quand est-ce qu'il apparaît le double missile, hein, mais bon, c'est assez aléatoire. Le missile en fait ça fait perdre qu'un point d'énergie à chaque fois qu'on l'utilise, donc ça a un double effet, mais enfin, donc on a effectivement un double missile, mais on perd qu'un point d'énergie à chaque fois qu'on l'utilise. Je demande s'il y a un...
Ah, j'ai trois villes. Oula, je sais pas par où j'ai passé. J'essaie de passer là entre les deux là. Allez, à gauche. À gauche toute. À droite. Oula, c'était juste. De récupérer 3000 points là quand même. Voilà, j'ai eu du... Ouf, j'ai eu chaud. Donc voilà, j'arrête la vidéo là. C'est Blue Star de Free Game Blood, sorti en 1987. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.